devant de l'eau. Alors, c'est comme si vous aviez des vagues. On va aller plus lent. Ouais, super. Je vais m'adapter à la musique puis au son de la mer. Tout en poussant avec votre omoplate droite vers l'arrière. Poussez avec votre bras gauche. Vous allez sentir en arrière des omoplates. Est-ce que ça va, vous le sentez? Tranquillement. Levez vers le haut. Tirez vers le haut avec votre colonne vertébrale. Mais relâchez les épaules. Arrête, Siri. Ah non, mais j'aime ça. On lève les bras, on pousse les bras vers l'arrière des oreilles, vous tournez vos paumes de main. Imaginez que vous avez des mains sur les côtés, vous allez plier les coudes, pousser sur les paumes, mais tout en tirant votre colonne vers le haut. Et relâchez. Ça va? On inspire. On expire. On lève le bras gauche derrière. On monte, tirez vers le haut. Alors ça, c'est bon pour votre posture et votre colonne vertébrale. Et on tourne. Un deux derniers. On monte, on inspire. Expire, descend. Inspire, on monte. Dernière fois. Et on descend. Oh, vous êtes beau à voir. Moi, je ramène ça au Québec, hein. Ils vont être impressionnés. Le groupe de français. On pousse. Et on ouvre la cage.